tu es, viens à mon aide. Seigneur, viens vite dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux, thank you.
Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. S'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, laisse ton amour jusqu'au bout de la vérité. Ta justice une montagne de Dieu, tes jugements le grand abîme. Vois, mais le bétail, tu les secours, Seigneur. Précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la grâce de ta maison, au torrent de tes délices, tu les appelles. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons. Justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Psaume 64. La terre et tu la preuves,
rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planies, tu la détrempes, la veste, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les pacages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. De Dorothée de Gaza au VIe siècle, la maison de l'âme. La maison de l'âme se bâtit par l'observance des commandements de Dieu. Par cette image,
l'Écriture nous enseigne que la crainte de Dieu dispose l'âme à garder les commandements et que par eux s'édifie la maison de l'âme. Veillons donc sur nous, frères. Ayons nous aussi la crainte de Dieu et bâtissons-nous des maisons pour y trouver abri durant la mauvaise saison en cas de pluie, d'éclairs et de tonnerre, car la mauvaise saison est une grande misère pour qui n'a pas de logis. Mais comment s'édifie la maison de l'âme? Il faut d'abord poser le fondement qui est la foi. Car sans la foi, dit l'apôtre, il est impossible de plaire à Dieu. Puis, sur ce fondement, il doit bâtir un édifice bien proportionné. A-t-il l'occasion d'obéir? Qu'il pose une pierre d'obéissance. Un frère vient-il à s'irriter contre lui? Qu'il pose une pierre de patience. A-t-il à pratiquer la tempérance? Qu'il pose une pierre de tempérance. Ainsi, de chaque vertu qui se présente, il doit mettre une pierre à son édifice et l'élever de la sorte tout autour, avec une pierre de compassion, une pierre de retranchement de la volonté, une pierre de mansuétude, et ainsi de suite. Il doit prendre soin surtout de la constance et du courage, qui sont les pierres d'angle. Ce sont elles qui rendent la construction solide, unissant les murs entre eux et les empêchant de fléchir et de se disloquer. Sans elles, on est incapable de parfaire une seule vertu, car l'âme sans courage manque aussi de constance, et sans constance, nul ne peut rien faire de bien. Aussi le Seigneur dit-il, vous sauverez vos âmes par votre constance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, dis seulement une parole. Fais que ta parole, plus incisive qu'un glaive à deux tranchants, nous donne de porter du fruit en abondance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, apprends-nous à t'écouter. Laisse à l'arbre le temps de grandir et de donner ses fruits, qui peut-être nous étonneront nous-mêmes ou seront d'une espèce inconnue.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, apprends-nous à nous écouter les uns les autres. Qu'on te laisse la place en faisant place à l'autre, quand nous essayons d'entendre ce qu'il dit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, que ta parole vivante soit le rocher sur lequel se fondent nos vies. Que nous sachions non seulement dire « Seigneur, Seigneur », mais surtout faire la volonté de ton Père. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint Immortel, prends pitié de nous. Dieu fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse, Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les heures, je me dis combien de ruses. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend à jour. Sur ce qu'il craigne, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vit pour toi les merveilles.
soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au seuil de cette Eucharistie, appuyons-nous sur le roc de la miséricorde du Seigneur. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et accueillons dans la paix son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Loué serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Alléluia. Se plaît dans ta loi, Seigneur, il donne du fruit en son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples : Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison. Mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle place a donc le Christ dans notre vie? Qu'est-ce que cela change pour nous que d'être chrétiens? Jésus nous interroge aujourd'hui en utilisant des images afin de nous interpeller dans notre foi. La première image est celle de l'arbre et de ses fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits, dit Jésus.
Il y a une sorte de logique propre à la nature que personne ne peut enfreindre. Les fruits ne s'improvisent pas. De cette vérité de tous les jours, le Christ tire une leçon pour ses disciples. Quel arbre sommes-nous ? Ce sont les fruits que nous portons qui nous le disent. Si les fruits sont mauvais, ils ne pourront devenir bons que si le bois et la sève qui les produisent sont changés. Cela veut dire pour nous, si nous convertissons notre être profond, si nous devenons un arbre nouveau, alors oui, nos fruits pourront changer. Il y a une implication de notre part à vivre. On peut aussi choisir d'être ronce plutôt que vigne, mais il faut savoir qu'alors le Christ ne viendra plus chercher de raisins. Et s'il a besoin de figues, il ne viendra pas du côté de nos épines. Opter pour une qualité d'arbre, pour une qualité de vie, c'est opter pour une qualité de relation avec le Christ. Jésus souligne donc par sa parabole le sérieux de nos choix. Et il insiste encore lorsqu'il parle en clair de l'homme bon et de l'homme mauvais. De même que l'arbre conditionne les fruits, de même le cœur conditionne les paroles, et le trésor du cœur, tout ce que l'homme y puise. Mes frères et sœurs, le Christ ne pose jamais une exigence sans y joindre un encouragement. C'est pourquoi il a commencé par affirmer « Jamais un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Si donc on trouve des grappes, sûrement c'est un pied de vigne. Ce n'est peut-être pas encore du muscat, mais à coup sûr, ce ne sont pas des épines. » Dès lors, frères et sœurs, si nous doutons de la valeur de notre existence, même quelques pauvres fruits peuvent nous rassurer. Si les fruits sont authentiques, c'est que la souche est bonne. En utilisant ensuite l'image de la maison bâtie sur le roc, Jésus insiste sur la nécessité de la conversion du cœur. Quelle place a Jésus dans notre cœur ? Est-ce la première place ? La priorité dans la construction de notre quotidien, ce ne sont pas, pour prendre l'image de la construction d'une maison, les murs, les fenêtres, le toit et l'ameublement, mais les fondations. La priorité, ce sont des fondations sûres pour que notre vie soit solide et qu'aucun fleuve d'épreuves ou de tentations ne la mette en péril. C'est pour cela que Jésus nous invite aujourd'hui à creuser très profond jusqu'à trouver le roc sur lequel construire notre quotidien. La priorité est donc là, creuser profond. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour Jésus, creuser profond jusqu'à trouver le roc, c'est écouter sa parole, l'écouter au point d'y obéir. Concrètement, cela veut dire perdre l'apparente solidité que nous trouvons dans nos habitudes, dans nos pensées et dans celles du monde ambiant, pour passer à une autre solidité, celle du Christ. Et cela ne va pas sans un moment d'inquiétude, car nous perdons nos sécurités habituelles,
qui nous viennent du fait d'être en harmonie avec ce que pense et fait le monde. Nous nous sentons fragiles, mais dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité, nous atteignons le véritable roc, et plus aucun fleuve ne peut ruiner notre maison. Nous le comprenons, frères et sœurs, Jésus nous invite à protéger la vie de Dieu en nous. Oui, veillons sur la vie de Dieu en nous et en chacun. Ne rien préférer au Christ, disait saint Benoît. Dieu premier servi, proclamait encore sainte Jeanne d'Arc. Bien sûr, la première urgence est de donner à manger à qui est affamé, mais la première urgence est tout autant et inséparablement de sauver la vie divine en chacun. Et cela commence par l'écoute obéissante de la parole et l'annonce de cette même parole qui donne vie. Seigneur Jésus, veille sur nous, fais que notre premier souci soit de creuser profondément pour te rejoindre, toi le roc de notre cœur, pour veiller sur toi en nous, en nous soumettant à toi, toi qui en ton Eucharistie renouvelle ta présence en nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Antoine, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Thank you.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ce mercredi, nous célébrerons la fête de la croix glorieuse. Si vous désiriez vous préparer au baptême, à la première communion ou à la confirmation, sachez qu'il existe un catéchuménat à Saint-Gervais. La première réunion aura lieu ce jeudi soir. Vous pouvez avoir tous les renseignements auprès de sœur Catherine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour.